J'adorais mes films, ce qui était une grande fierté pour moi. Et j'ai même une anecdote rigolote. J'étais à. Donc, je vais chez lui pour lui montrer mon. Rien à déclarer, à l'époque c'était rien à déclarer. Et je lui montre rien à déclarer. Il adore, il rit énormément. Et le lendemain, j'étais chez moi, il m'appelle, il me fait. Je peux venir? Je dis oui, bien sûr. Il dit, je suis avec Jean Reno. Et il vient chez moi avec Jean Reno. Et il me dit, on va lui montrer ton film. Je fais, ah, ok. Donc Jean René me fait, montre-moi ton film, j'en peux plus. Il m'en parle depuis hier, il dit, tu connais Danny, tu sais que c'est mon ami. Il a fait un film, c'est très drôle, il faut que tu le vois. Tu sais qu'il faut que tu vois le film de Danny. Et toute la soirée, il me dit ça, le matin, ça. Et donc, il regarde le film à deux. Et donc, il y a Jean Reno et Johnny, l'un côté de l'autre, et il y a Johnny qui mettait des coups de coude à Jean Reno pour lui montrer un film. Il dit, tu vas voir, et là il va faire ça, et là il va dire ça, c'est très drôle. Pendant tout le film. Et c'est un des plus beaux souvenirs de ma carrière, de ma vie. C'était un être absolument merveilleux, et très tendre, et très généreux, et c'était un monstre sacré. Et voilà. Et je pensais évidemment à sa famille, à Laetitia, à ses enfants. Et je sais que voilà, on peut l'applaudir, c'est ce qu'on fait. J'avais une chanson de Il n'y avait que Je t'aime de Johnny que chantait Zinedine Soilem au début du spectacle. Et la première fois que je l'ai rencontré, Johnny est venu avec Laetitia voir la pièce. Il était au balcon. Et au moment où il y a Zinedine Soilem qui commence à faire Que je t'aime, il y a tout le théâtre qui fait qui a regardé Johnny qui a fait. C'était un être merveilleux. Bon, je vais chanter une chanson donc. Voilà pour ma maman. Et une très belle chanson, une chanson espagnole. Hein, faut plus rire, d'accord. Merci à ma mère de m'avoir fait comme je suis.